petit moment de blues. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfan pour un nouvel épisode de Galaxy of Pain of Paper. On va se mater le shop tout de suite. Remove the negative status from your target. Ah, ça peut être intéressant, mais je sais même pas combien j'ai de thunes. 150 balles. Ok, les gadgets, y'a quoi? My fruits by 3. Hein? D'accord. Ok, ok. C'est pas mal. C'est sympa. On va acheter un petit bonnet. Petit bonnet. Maintenant, si on va voir nos gars. C'est bon, ça marche. Ah, tu pouvais en avoir 3 chacun. Ouais, alors régénérer tes SP. Je crois que t'as pas la stat la plus. Ah, si, ça ignore le bouclier. Ouais, ça perd sa armure en fait. C'est pas inintéressant. C'est même très fort. 43 dans ma cible. On a plus assez de sous. Mais quel est le problème? Pas de problème, trouvons des sous. Et en plus comme ça Dafty passe son level et c'est très bien. Ah par contre j'ai oublié de lui régénérer sa life quoi. Oh d'accord, dodge direct. La honte, direct. Ok. Chic. Tu fais vraiment rien de dégâts. Ça régène vraiment. Donc là on a 10. Non, c'est rien du tout. Ou alors c'est entre chaque mission. Oh putain, on a encore gagné une boule pour relever des gens, c'est trop bien. Et level up bien sûr. Donc on a tous atteint le level 5, c'est cool. C'est quoi ces trucs chelous? Hot coffee, organic café, tu takes a few seconds to buy under, tu tons hot sun. You can see potential. Oh, vous pouvez pas voir mais c'est chaud. Apparemment ça va être un objet de quête à acheter avec des... Ah non, c'est acheté avec des sous. Alors attendez, attendez, il faut combien de thunes? C'est ça la question, combien de thunes il faut pour ouais mais spéciaux, il me faut 48 thunes, on a 29. Ah, on peut pas croiser tous les types d'ennemis partout. Ah, intéressant. On va se tabasser un peu des deux. Donc soit tu perds du bouclier, clairement tu tapes là. Ok, bon tu vas me finir le raider, on en parlera plus. Ah on lui fait pas grand chose hein. Le bonhomme de pétrole il est sévère. Ok donc là j'ai reçu une affliction, j'ai été ralenti. Ok, j'ai eu un bonus de dégâts simien, visiblement.
Voilà. Ok, bon, on sent qu'on a monté un petit peu de niveau. Hein. Ah, par contre, ouais, on fait pas beaucoup de sous, hein, donc faut refriter du mec. Hein. Moi, j'ai envie de repartir sur la même combo. Deux comme ça. Ouais, mais c'est pas intéressant que j'en prenne deux comme ça, parce que j'en ai un qui perce les boucliers, donc... critique à 22, je... cool. Bon bah c'est bien, les boucliers sont pas tombés, c'est ce que je voulais. Quoi, ça dodge? Mais non. Comment ce gros truc peut esquiver? Voilà, meurt. 15 thunes. Et il va nous manquer 2 $, c'est ça? Non, c'est bon, les ors. Ah bah non, 61 du coup, ok. Ouais. Ah, on peut vendre des trucs. Attends, j'ai peut-être des objets à vendre. Ah oui, je peux vendre plein de trucs, ok. Ok. Nice. Dafty. Hop, inventaire. On l'équipe d'une jolie veste. Hop, là, remets-toi ton truc. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. On va faire un petit aller-retour pour régène. Je sais pas si on régène du tout. Ok, rien du tout. Ok. Très bien. Le dé que vous voyez là-haut, c'est le quand je voyage, c'est le dé de rencontre aléatoire. Continuons la campagne. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On doit aller au cimetière de vaisseau rendre des comptes. Et ben, go. It looks like dead stars. Ah oui, alors du coup, lui, il est plus en franglais parce que c'était très rigolo. Donc il s'est passé des choses. Time to work, Dafty. Bon, il faut aller bosser. Cover the Sun Raiders, Leader Hiding. Et sur le quai, raffinerie. To take him down. Quoi? Valparsec veut temporairement nous conscrire. Bah allons-y hein. Donc ok, on a été prêté à la force Nebula, au commandement au Nebula Command. Pour une somme modique. I can arrest you for obstruction à la justice. Donc voilà, il veut la faire payer, elle est pas trop d'accord. Vous paierez pour ça plus tard. Bon soldat. Casting is Master Ginormous. Ok, faut tuer Ginormous. Ok. Bon, les mecs, on le ramort, hein, bien sûr, en eux. Très bien. Donc là, c'est chez les Petrolman. Et ici, il y a quoi? Space Talk. Ah si, il y a une quête, d'accord. Une aventure à Zaratiu. Ah, vous êtes des aventuriers, des petits points. It's nice that discovering the wonder and secrets of verse of its people. It is. Quoi? Very dangerous. Mm.
quest. On a juste croisé un aventurier qui était à la recherche des secrets du... Intéressant. Attends, pourquoi cette case est encore... brille encore? Il y a quelque chose à faire ici? Il y a quelque chose à tabasser? Je suis pas au courant. Non, il y a rien. Ok. D'accord, c'est des mecs qui vont pouvoir nous aider plus tard. Genre, il y en a un qui peut nous donner des secrets de la galaxie, donc je suppose des cartes. Et lui, après avoir vu, il peut nous donner la vitesse supersonique. Et on peut se friter contre un Petroleum Man, un mec super déter. Donc on va s'envoyer un mec super déter. C'est parti. On peut savoir combien il a d'HP le mec? Non, on peut pas. Beaucoup. Et il fait très mal dans le... Il fait très mal au bouclier, le monsieur. Ah ouais, il fait très très mal, le monsieur. Il tape toujours le même, en fait. Ah, il tape toujours le même, en fait. C'est chiant. Alors je vais voir avec un coéquipier par terre comment ça se passe. Ah, il esquive. Bon. Ok, on a du sirop de pétrole. Ah, quand tu tombes à terre, tu perds un peu d'XP, d'accord. Mais tu reviens... Hey, putain, il revient même pas full. Vas-y, ça va mort, mec. On est bien, j'ai grillé une pizza pour l'occasion. Très bien. Très bien, très très bien. Du coup, il y a toujours un mec à qui parler? D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est pour du plus tard. Hein. C'est découvert comme endroit, ok. Parler aux gens locaux. Meilleure version d'Ansel's Warrior. Ok, le mec pense qu'on a des copies de nous visiblement quelque part dans l'univers. C'est une théorie extrêmement controversée. Ok, il pense que dans différents univers ou dans l'espace globalement, il y a des copies de nous forcément quelque part. Donc, dominé par une ferveur, Vidriosity Pipes, Vency Action, Wild, soudainement des ennemis approchent. Oh, faut qu'on s'envoie deux Petrolman et deux Raiders. Ok, bon bah là va falloir déjà lâcher du coin. Ah oui, non mais bon, là, je prends la sauce là. Là je prends la sauce. Ouais, je prends la méga sauce. Oh, je prends la méga sauce. Oh, mais franchement, ça va, tranquille, la vue, bien, bien.
Bah t'es encore obligé de te soigner hein, parce qu'on te met une sauce maximale. J'ai plus soin. J'ai tout craqué. Hein. Ok. Bon, c'est des prud'hommes. Ok. On arrive dans la salle finale. Come across a large human dude and a green wearing hat. Ok. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Dégage. Avec nous, bro. Non, that's my bro. Vous n'êtes pas mes bros. Coffee first. Ah, il faut d'abord m'offrir un café et tout. Someplace together. Don't want to. You can just use it. Oh, il part dans un ricain dégueulasse. Ceci est inacceptable. Bon, on va à la basson, c'est ça? I'm leaving a last surprise to you. Ok. Ok, Aliena move her staff around there comme le flash. Il disparaît dans un flash. Hein? Un lave-vaisselle vénère? Avec des grandes boxes. Washing machine is alive. Oui, c'est ça, c'est bien une machine à laver. Fantabulous unbox cette box. Ok, on va se taper une machine à laver. Avec on ne sait combien de PV. Ah si, c'est écrit là-haut. 120 PV, ok. Ah, ça va être un petit peu long à battre. Hein. Oh non, il met des patates de four, hein, le con. On va attendre la prochaine patate. Franchement ça passe. Franchement ça passe. Franchement c'est passé. Ah, pas si facile que ça. Hein. 190 pex par contre le bonhomme. Et j'ai gagné un towel. Ah c'est une serviette. Les lettres MRK. Ah Mr. Ken. sont brodées dessus. Non Mr. Ken's towel, ouais. Oh not is not known. Ce que vous pensez, bah dites sûr. It's comfy. Par contre, c'est sûr que c'est confort. Trust your HP. Ah, d'accord, c'est un objet. Oh, attends. Je peux pas prendre les. Laisse-moi prendre les levels. Ah, par contre, ça c'est sale. Laisse-moi prendre les levels. Ah, on voit. Ok, donc on se retrouve à l'extérieur et on voit le vaisseau. Le vaisseau tiré donc de Ginormous. Hein, on le voit là derrière en train de blaster la ville. Ok. Et visiblement, c'est notre vaisseau. Holy Deus Ex Machina. Oui, bah, on peut pas faire grand chose. Hein. Donc, il y a un météore qui impacte. Members the Golden Rune. The GM has the final word. Oui, le maître de jeu a toujours le dernier mot. Ok, donc voilà. Bon, ça s'est fait blaster par un météore. Et le master a dit, j'ai toujours raison. Classiquement. Ok, c'est bon. On a passé d'autres niveaux. Par contre, du coup, on a un nouveau gadget.
Donc là ça réaugmente mes HP, mes machins, mes SP, tout. En fait ça monte tout. Ah bah ouais hein. Ah bah ouais mais tellement quoi. Voilà. Petite veste de scientifique, un petit bonnet, avec le pompon et une serviette. Voilà, on n'est pas du tout dans le ridicule, c'est parfait. Par contre je suis full life, ça c'est cool. Attends, est-ce qu'on peut affronter des trucs... mince, est-ce qu'on peut affronter des trucs spéciaux? Non mais... Ah non, que du mec de base. Ah, je passe pas le cap. Ah, faut corser le cap maintenant. Ah, en fonction du niveau, le cap n'est plus le même. Bon, on va éviter de se mettre des dégâts. Notre ami alien avec sa théorie très controversée. Il y a mon vaisseau. Donc vous tournez un peu dans le coin. Hein, this shiny crate. Ok, with a message flashing on its lid. Oh yeah, it's alright. Donc on a trouvé une boîte avec un code dessus. Vous regardez le site du crash de, du vaisseau. Il a l'air en bonne condition. Et quand tu notes le crash de l'île, ok. Succeeding avec le group log post. Ok. Need you all focus on the game. Ah oui putain, le mec reçoit un message hors jeu. Il est focus à 110%, c'est bon, on y retourne. On rentre dans le vaisseau. Stress spacecraft features an architectural style you've never seen before. D'accord, donc c'est un vaisseau avec un style architectural que nous n'avons jamais vu. Curieux. Regardons un peu autour. Vous rentrez donc dans l'espace de l'ingénierie. Active power core pulsing with energy, donc vous voyez effectivement le cœur du réacteur pulser d'une énergie. Il n'utilise pas de carburant. Question que se pose Dafty. During the engineering deck, you come across a medbay. D'accord, une medbay, trop bien. Yes, on va pouvoir y placer nos corps après les combats. Et ouais, finalement, vous arrivez sur le pont principal. Ah. What's that buzzing sound? No idea. Vous n'avez pas d'idée de ce que c'est que ce fichu son. Something doing over bandness of appliance in my one wall socket roll. D'accord, bon, donc ok, d'accord, c'est du divertissement, il se passe des choses. C'est dommage, you won't be taking my ship, vous ne pouvez pas prendre mon vaisseau n'importe comment. Esclave, on l'a eu en premier, oui, mais so what that star first? Ah oui, il l'a vu dans les étoiles d'abord, tu ne peux pas. I know we are Vestro, you're under arrest for selling poor quality ship. D'accord, elle veut l'arrêter pour avoir vendu des vaisseaux de basse qualité. Think free galactic citizen under forced servitude. Alright, that's it. Ok, d'accord, donc elle peut l'arrêter aussi pour avoir réduit en esclavage des citoyens qui ne le voulaient pas. Ok, donc l'autre bien sûr il dit qu'on va payer pour ça. Ce vaisseau n'a pas d'équipage, pas d'enregistrement. En mon autorité, je le prends. And bring Ginormous to justice. I have a feeling your reputation will increase with your heroic exploit, soldier. Bon, bravo en fait, bravo à nous, GG les petits gars. Norius abductis, but soon you grow to. Lucie. Ok, bah oui, à plus tard. Des bisous. Voilà. Des bisous.
Ok. Musicien. Non. Il a besoin d'un nom et le nom proposé c'est crapaud. Grenouille ou peu importe. On va l'appeler le Stranger. Hello Stranger. Alors attends, faut le marquer en capital. Voilà. C'est le vaisseau étranger. Ok. Donc là ils font checklist donc voilà, tout le vaisseau a que des stats complètement dingues. Ok. Ça s'envolure. Donc l'étranger, The Stranger, lift off, donc sort de l'atmosphère, rising through the sky, and leaving Tantan Sands behind, donc vous enfoncez dans l'espace, et vous voyez donc les sables de Tantan derrière vous. Mais c'est super génial! Ah, mais il y a plein de trucs que j'ai pas exploré du coup sur la planète. Mais c'est cool, on a fini la mission. Ah oui, donc on peut retourner sur Tantan quand on veut quoi. Oh là, en voyage en espace, c'est trop génial. Avec notre crapaud, on peut faire un tour en medbay, remonter au bateau ou planète travel. J'ai envie d'aller ici. Hein. On peut que se battre ici. Type d'adversaire ou pas? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On peut en aligner 6. Hein. On va s'en aligner 3. On va en tabasser 3. Ça, c'est pour le fun. C'est peut-être aussi pour le passage de l'XP. Attention. Tout pour de l'XP. Pas celui-là. Bon, bah, on fait plus celui-ci. Peut-être pas du focus celui-là parce qu'en fait je me dis que mon simien est assez fort pour en éclater un du premier coup en fait. Ouais, je vais voir si mon simien maintenant il est capable d'en OS 1. Non. Ok. Ah non mes boucliers. Ah non. J'ai bobo. La musique est vraiment très cool. Pas de discussion ici, hein, ça. Ok, ça a été. Et là, c'est toujours pareil avec notre pote l'alien, hein, c'est ça? Même discussion. Ok. Même discussion nulle. Pas visiter ça. Il se passe quoi ici? On va se faire un petit combat tant qu'on est là. Hein. On n'a pas passé nos niveaux. Faut en mettre 4 là. Hein. Allez. On va pour 4. Oh, parce qu'il était esquivé. Top. Top à la vachette. Ouais. Vas-y, tabasse ça. Un critique dans le bouc là. Ah, le salaud. Il a encore des PV. Ok. Alors là c'est devenu chiant. Vous m'avez énervé. Voilà. Ah
Voilà, quand on n'est pas maudit, ça va quoi. Ça se passe pas trop mal. Ah, enfin une esquive. On esquive pas souvent. Hein. Et voilà. Et un rat burger. On a full regen, ce qui est top. Donc Tug a pris un niveau. Hein. Ah, il faut que quelqu'un d'autre passe un niveau. Hein. Vraiment, je le fais pas pour les sous, je le fais vraiment pour l'XP. Oh, le potrelum est... subitement, il est un peu moins fort. Hein. Bon, bah merci. Non, c'était passé. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Et hop, level 6 également. Très bien. Et continuons notre voyage. Hein. Citons les lieux. Ah, il y a un truc ici. On peut affronter un ennemi super spécial. Le raider nomade. On peut en affronter deux. Avec un raider normal. Oh, c'est parti. Là, ça devient intéressant. On n'a pas fait le déplacement pour rien. Alors, un petit shot à travers le shield. Brise-le. Et il est solide. Hein. Ok, ils sont vraiment solides les deux boss. C'est pas des blagues. C'est pas des méchants de level 4 quoi. D'ailleurs, je peux regarder le niveau de ces gars. Si, level 3. Bon, ça devrait se faire. Ok, moins 1. Ah, ils prennent le focus sur Dafty, c'est pas cool. Oh, 24 de crit. Ça là. Oh, il reste un petit PV. Très con. 5 PV. 5 PV et 4 de shield, 4 de bouclier, ça devrait passer tout seul. Ouais, bon, si je me foire pas après. Hein. Voilà. Ah, voilà. C'est fait. C'est bien cool. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'est frité. On a visité toute la planète. Oh, attends. Arrête-toi là. Comment ça, il y a une boîte ici? Ah, on a trouvé un coffre au trésor. Isolonote attaché to it say. Take this off your on the warship Space Explorer. Donc, ok. Alors, on peut le laisser ou le prendre. Un mini solar panel. Mini solar panel, rise shield regen by 5. Cool. Ah oui, carrément, ouais. C'est carrément cool. Faisons le tour de l'inventaire. C'est toi qui utilises de la régène, de bouclier 9. 3. Bah 5. 5 ma petite gueule. Moi j'ai que ça à dire. Hein. C'est bien d'avoir de la régène de bouclier quand même. Hein. C'est bien d'avoir de la régénération. Parce que t'as pas de boost de régénération de bouclier en fait. On passerait à 8, ce serait pas mal. Non, c'est bon, c'est tapé tout le monde. Là, allez, tirons-nous. Ok. On monte sur notre vaisseau. Super cool hein, un petit jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc ce lieu du vaisseau est dominé par une énorme porte fermée
d'ailleurs. Vous ne pouvez pas l'ouvrir. C'est une porte scellée. D'accord, très bien. Ok, maintenant on sait. Enfin, on sait. On sait ce qu'il y a. Sans savoir ce qu'il y a. On peut créer une mission. Mission de chasse. Oh! Et moi je propose de faire ça. Non mais, ah mais je fais n'importe quoi. Ok, bon j'ai bien fait n'importe quoi, c'était pas le problème. Oui, ok. Ah oui, il faut choisir le NPC, où ça? On va la choisir sur Tantou, puisqu'on y est. Hein. Vas-y. Tuer un pétroléoman ou un nomade. Ouais, on va tuer un pétroléoman. Vas-y, on start la mission. Donc vas-y, Parsec, elle a besoin d'un coup de main. Vite! Allons lui filer un coup de pouce. Allons dégommer quelqu'un. C'est cool la façon dont tu peux faire les petites missions et tout, c'est très rigolo. Ok, c'est parti. Bon, on y va. Hein. On roll directement au pétroleman. Paf. Ah ouais, attends, faut que j'aille ici. Non. Même le man, ok. Bon. Petroleum man. On a un bonus de thune, mais on n'a pas de bonus d'XP. Ah, est-ce qu'on se fait un petroleum man un peu vénère, tu vois? Allez, on lui met tout ce qu'on a. Allez, on lui met tout ce qu'on a, on lui met tout ce qu'on a, on veut pas le savoir. Ah, il nous parlait! Le gros moche, il a osé nous parler. Alors, de base, quand tu attaques, tu fais du combien? Ça, c'est si tu fais du... Ah, je fais quand même plus mal quand j'utilise ça, vas-y. Balance quand même, hein. Même si on s'en fout, même s'il a pas de shield. Là, il est déjà mid-life. Oh, sur un petit dodge, on part sur une petite esquive pour des mains. Oh, les bâtards! Oh, les bastardos! Par contre, ils vont charger, quoi. Il reste combien de PV? 36. Ah mais je l'aurais pas. Ouais, je l'ai pas. Bon. Ok, j'ai été ralenti. Visiblement, ça m'a pas beaucoup affecté plus que ça. Oh là là, on fight. On fight. On va directement taper dans les potes. Hein. On va laisser Dafty finir. On va laisser Dafty, voilà, finir le Petroleum Man. Oh, les mecs, ils tabassent le même type tout le temps, quoi. Combien de PV il te reste? 36, je l'aurais pas. Je vais te maxer, toi. Ok, s'il frappe là-haut, ouais, t'es par terre. On bat un peu sport en vrai, hein. En même temps, j'avais mis le danger max, hein, le niveau de danger max. Yes, alors c'est le moment d'utiliser une boule magique. On se ramenait un pote. Ah mais attendez, je viens de le relever, vous allez pas me le remettre par terre. Ah mais ils sont infernales. Ils ne respectent rien les mecs. Parce que là vous respectez vraiment rien, c'est chiant. Ok, pff, oh, merci. Ah, ils lui mettent la max à Tug. La max. C'est peut-être un peu chargé comme tout. Ah, ils m'ont fait griller ma pizza, les salauds. Vous avez, vous avez détruit vos opposants, bravo, GG, cool. Oh, c'est trop rigolo. Et du coup, je peux créer encore d'autres missions comme ça. J'ai qu'un seul type, par contre, de mission. Abdoubé. Adoubé. Ah, mais il faudrait que j'en fasse plusieurs.
Bon, on va aller sur la green maintenant. On peut tuer. Non, attends, en fait. Je vais refaire une chasse. Toujours avec toi. Mais encore sur Tonton. Et on va prendre cette fois-ci un raider. Et on va le chercher. Ok, on y va. Ouais, vas-y, vas-y, on lui a cassé le boule. Yes! Go, c'est parti. Commence à avoir une sacrée réputation auprès de la police, du site de police. J'aurais pu attends faire un petit crochet par là quand même, faire un petit tour au shop là vite fait. Voilà, je voudrais shop tuer. Et j'avais un gadget avant. Yes. Des burgers, je sais plus j'en ai ou pas. Je sais pas combien j'en ai en inventaire. C'est par contre il ne dit pas combien on en a. Un seul, ouais on est pas lourd. Ouais, un seul c'est pas bien lourd. Vas-y j'ai pas besoin de ma thune. Vas-y, vas-y. Vas-y j'ai pas besoin de ma thune. On y va. Allons régler ce problème. C'est parti, go pour combattre. Donc faut que j'en mette. Il faut que j'en mette qu'un. Et là il faut que j'en mette 4. 4. Loot inactive, higher chance to a better loot. Ah, un clodo de plus, on peut avoir une chance d'arracher un meilleur loot, vas-y. Ok, c'est le méchant nomade qu'on a trouvé. Oh, Tug il prend tout mais... C'est un Tug. Y'a plus rien dessus. Ouais, sans doute. En tout cas, l'objectif a été rempli. Il est mort. Ok, lui s'est fait gicler. Parfait. Non. Tac. Pizza. C'est l'heure du pizza time. Quoi? Salaud. Une tire sur Dafty, un peu encaissé, voilà, merci. Vas-y, arrache-moi ce con. Pulvérise-moi ça. Plus. Hein. C'est fait. À faire des gros dégâts quand même tous les deux. On n'est pas encore au degré du one shot mais bon, on est bien. Voilà, c'est une victoire pour Canard, bravo.
Parfait. Du coup, j'ai pas eu de super loot super spécial. Bon, tant pis. Au pire, on a eu des sous. On a eu des sous. Ce qui est bien aussi. Alors, pas d'XP puisqu'on arrive en vie. Nice. Ok, on board tout le spaceship. Ok, donc c'est cool. La Medbay, en fait, c'est quand même bien cool. Parce que ça a l'air gratos et tout. Donc, il est peut-être temps de nous rendre sur la greenhouse. Ouais, vas-y, on va faire comme il dit Daft Punk. Oh, batterie et tout. Ok, fallait que je choisisse un loot. Waouh, c'est un joli patchwork. Ok. Stack out of the wet world. Ok, d'accord. Oh là, mais le monde pourrave, d'accord, ça, mon poubelle. Hein. Ah, ok, donc elle nous propose une monnaie super spéciale pour 90 crédits. C'est non. C'est non. Parce que de toute façon, on pourra revenir plus tard. Qu'est-ce qu'on a comme bestiole super spéciale? Un Jellofish. Blunt Strike. Basic Attack Place Low. Ok. Ah, ça a l'air vénère. Vas-y, je vais en affronter un. Ok, donc c'est un petit gâteau aux fraises. Hein. Je force pas parce que je veux voir ce qu'il a un peu dans la moelle. Ok, 23. Ah ouais, quand même, il éclate bien le bouclier. Hein. Mais c'est surtout une base de paix ou c'est moi qui fais aucun dégât à ce mec? Ouais, 128, hein, il est quand même bien. Il est beau, hein. Un beau bébé, hein. Ok, il a esquivé. D'accord, il m'a fait sauter mon bouclier, m'a enlevé des points de vie, c'est génial. Et il est tout seul, hein. Et il est tout seul. Ah, on a trouvé une pizza. Toujours cool. Et des thunes. Bon, écoute, on va pas prendre de risque, hein, retour en Medbay. Voilà, y'a pas de raison. On retourne là et on va voir ce qu'on peut friter encore d'autres. Je teste, hein, je teste, je vois les bestioles. Hein. Donc, non, dis-moi ça. Donc, ça, déjà, on a vu que c'était solide. Un crabe, Trample Rush, place 10 statues and deals 36 à 43 dommages. Ça va, mec? 194 PV? Ah bah putain! Ouais, tu m'étonnes, ouais, si on le tue, on a déjà un bonus. Ah bah alors lui, on peut le charger, on peut y aller, hein. Parce que là, c'est déjà. 23, donc il va tomber plus de la moitié de mon bouclier d'un coup. Oh, je lui fais rien! Mais rien du tout! Il lui restait même du bouclier. Oh, piqûre de mouche sur piqûre de mouche, quoi. Oh. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Je lui vide tout ce que j'ai. Je lui balance tout ce que j'ai. Je lui balance tout ce que j'ai. Le mec, il bouge pas. Il en a rien à foutre. Puis il a une régène monstre, 47 dommages d'un coup. Mais faut arrêter de craquer du mauvais shit, monsieur. Ah, il me restait des points. J'ai été con, je pouvais les claquer. Le film. Ok. Donc là, si je comprends bien, il joue pas. Ok, en plus, il esquive. En plus, évidemment, bah, il esquive, quoi. C'est tellement bien. Ok, j'ai résisté au stomp.
Ah ouais, puis il peut te faire rentrer dans une boucle de stun qui est génial quoi. Ah, il nous a mis nos traces. Hein. Il nous a mis nos traces. Y a d'autres mobs comme ça dans les rencontres là, ou c'est que les deux mobs de la planète? Il y a ça aussi à péter. 226 PV. On va le tester. Hein. Je veux savoir à quoi j'ai affaire. On va go la mettre bien hein, parce qu'on prend un tarif. Un tarif maximal quoi. Ça n'a pas de sens. Faut que je fasse attention, je pense qu'il faut que Dafty tue plus de monde là, parce que j'ai l'impression que Tug prend vraiment plus d'XP. Alors que Tug a déjà fini couché à terre, donc il a déjà perdu de l'XP. Normalement il devrait théoriquement en avoir moins. J'ai l'impression que le mec qui achève le monstre gagne un bonus d'XP en fait. Ah ouais, non mais le jeu il est en train de me dire mec t'es fou hein. En train de me dire mec t'es fou. Allez, c'est parti. Bon bah y'a qu'à bourrer hein. De l'attaque de zone. De l'attaque de zone qui passe à travers le bouclier. Ouais, génial hein. Ça me fait white genre vraiment après l'autre quoi. Ouais c'est vraiment c'est moche quoi. Combien il reste de PV? 53. Je veux que tu attendes encore. Je veux que tu le tues. Tue. 24. Il lui en reste 29. Ah, je suis même pas sûr que Dafty le tue. En fait 22 à 27, je suis même pas sûr. Voilà, ma vie c'est de la merde. Donc de toute façon c'est toi qui vas le finir. Parce que je pense pas qu'on va pouvoir attendre beaucoup plus longtemps. Donc vas-y, bah tu le tues, tant pis. En tout cas, il met un tarif monstre celui-là. Surtout qu'il passe à travers les boucliers. Et comme on sait passer à travers les boucliers. Ah. Non mais. Non mais, excusez-moi, j'ai mis slick. Mais ta chope. Okay. Je comprends pas l'intérêt, je fais quoi là? Ok. Ok, on a appelé un pizzaiolo. C'était trop cool. Ok, c'est cool. Bon, on a vu ça. Maintenant, voyageons. Ok, il se passe rien ici. Scanmaster, upgrade your scanner. Un mécan approche de vous. Rails Metallic Hands. Égouttant une main métallique. Warren Scanner. Donc, device. Scanning device of your. Scanning device? Yeah. To what? Alright. Ok, j'ai pas la bonne devise. Visiblement. Bon, on va falloir faire des battles aussi en. Hein. Donc après lui ici on a quand même un boss. On a quand même un boss. On peut se taper un truc vénère. Oh. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est la mort. Ah allez vas-y, il faut monter en XP, hein, y a pas le choix. Allez vas-y, on va le tabasser Jean-Jacques. Ok, on va tabasser Jean-Jacques. Ah mais Jean-Jacques il joue en premier, donc déjà c'est Jean-Jacques qui va nous tabasser. Allez, j'ai plus de bouclier. Ah, pourriture communiste, va.
Non mais on lui fait rien. C'est tellement ridicule ce qu'on lui fait. Et regarde tout ce qu'il a régène. Non mais... Non mais ce jeu est possédé, faut arrêter là. J'ai pas le niveau. Hein. Si j'arrive à le battre, je suis bien content. Hein. Oh, ok. Ok. Désolé de t'avoir dérangé, hein, le crabe. Hein. Vraiment, je voulais pas. Hein. Enfin, c'est pas un crabe, c'est un. C'est pas un crabe, c'est un. Ça porte un nom. J'ai plus. J'ai plus le nom. Mais je vous jure, ça porte un nom. Hein. Oh, un crit. Enfin un crit de notre côté, hein, c'est incroyable. Ah mais non, fallait pas piquer Stun. Y a pas de stun qui tient là. Je vais même pas tomber tout son bouclier, c'est la honte. Ok. Boule magique. Il reste de PV 40. 18 à 27, c'est pas suffisant. Ah, c'est pizza time. Allez, c'est parti. C'est l'heure de la pizza. Oh, il nous aura coûté cher, l'enfoiré. Bon, par contre, bon, je me suis remboursé un sirop de pétroleum. 41, 47 de shield. 57, beaucoup de shield, notre ami Dafty en fait. C'est pour ça qu'ils aiment pas taper Dafty. Il a trop de shield. Ok. Ah bah non, bah attendez, on est full. On est full, on vient de passer un niveau. Ok. On va parler à l'autre Clodo. Ok, on a 10 océanium là. Allons voir le mec là. Montage de spoil, it's a technical round of galaxy for you people. Come back, alright. Ok, j'ai toujours pas la bonne monnaie. Oh, je vais pas m'énerver, hein, je vous jure. Ah, j'ai fait un 1. Body. On va faire un choix de body. Oh, 10 de réputation. GG à moi. J'ai réussi un truc. Je sais pas comment je l'ai réussi, mais j'ai réussi un truc. Non. On parle. Est-ce qu'on aime l'e-sport? Là, il y a la pizzouille sur la table entre deux. Ok. Cool. Carte batterie. Encore 80% of your target shield and raise your target shield regen by 20% for free turns. D'accord, ok. Je pompe le bouclier okay, des mecs. Eh ben, c'est un beau strike que je viens de faire. Joli, ça mérite un combat. C'est parti, on va se mettre des gélatines. Ouh, deux gélatines. Ah, on est chaud. On est chaud, il faut qu'on rentre du pognon, c'est un impératif. Il a encore du bouclier, vraiment.
On a raté, c'est raté, comme on dit dans le milieu. Ah mais ils sont vraiment badass les monstres là. Ouais, c'est vraiment chaud. Grosse ambiance musicale hein. Quand on oublie trop souvent de dire hein. Grosse ambiance musicale. Ouais, j'ai pris un mauvais coup, ok. Ah, y'a plus qu'à clic gauche comme un de deux, hein. Jusqu'à qu'il tombe. Ok, on l'a eu. On est pas serein hein. Je suis pas serein, je suis sous pression. Après la vie, il y a un boss qui est faisable ici. Mais non. Putain, je misclique. Je vois un bouton qui ressort plus que les autres, du coup je misclique. Descends. On descend. On va se heal. Ah non, on est déjà heal, du coup. Voyageons donc sur cette planète. Allons voir quel est le boss ici. C'est un level 8 élite, mais non, on n'est pas level 8. Donc Et là, c'est un level combien? 9. Ah, mais j'ai claqué un level 9. J'ai claqué un level 9. Mais je suis un monstre. Ah, Gashmouche. Gasclude. Du 21-26, et un statut poison. Poison de statut, le damage split. Adjacent. Ah! Ah! Ah, c'est un peu vénère comme truc. Ah, il nous manque rien pour avoir l'XP du dessus, quoi. Ouais, non, c'est peut-être. On se tirera peut-être une balle là. On va juste faire un boss, ça va aller. Ok. Just a boss. Okay, nice. Ah, vraiment beaucoup beaucoup de boucliers. Ok, je suis empoisonné. Ah, je prends Chéros hein. Ok, j'ai résisté à l'effet poison. Donc, ça dure qu'un tour visiblement l'effet poison. Ah non, c'est même résisté, d'accord, c'est un lancer de dés je suppose de corps. Parce que le dé est rouge sur eux, donc ça va être un dé de corps. Et bah tous mes gars ont quand même un niveau de corps qui est assez énervé. Donc c'est pas inintéressant. Ah, on a appliqué du poison. Écoute, c'est un sacré sac à régénération quoi. Putain. En vrai, il se tombe tranquillement. C'est une affaire de patience. Ah bon, il est toi. Bon, il est pas. Voilà, c'était pas trop compliqué. Il était pas trop compliqué.
En même temps, il était level 8 et moins balèze que l'autre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire qu'on pourrait se le faire à plus haut niveau. Mais en gros, il faut quitter cette planète en étant niveau 10. Donc déjà, il va falloir la farmer un peu. Ça, je ferai ça en off, hein. Je ne tuerai pas l'esprit avec ça. Yes! Bon, il n'y a rien à voir ici, hein. Oh, il y a un mec à qui parler ici. Free potato chips, grab and bag, take as many as you like. PS, you may only serve yourself with the bag. You take hygiene very seriously. Nous prenons l'hygiène très au sérieux. Ok, il y a un baril là. Ok, cool. Ok, toujours le baril ici, ok. C'est l'histoire de baril. Oh, un niveau 10 élite. Bah ça va être le méga poulpe, c'est ça. Voilà, c'est le poulpe légendaire. Alors on va pas faire le poulpe légendaire, ce qui coûte un peu cher ce mec. C'est un mec qui demande du fuel. Attends. Viens chercher mon baril. Pas ton... J'ai pas compris. Vous avez actuellement du fuel dans votre vaisseau. Ever stop to think about doubt. Ok. D'accord. Très curieux. Très curieux. Je pense qu'on va devoir créer une quête de mission. Mais avant ça, j'aimerais monter de niveau. Donc, je vais pas vous embêter. Et je vais farmer mon niveau 10 tranquillement, discrètement dans mon coin. Je vous remercie, c'était Clarfork sur comme d'habitude Gaming pour Galaxy Pain of Paper et je vous dis à la prochaine, ciao!